Sur le chemin de la joie, on va trouver les écrits de François Cheng. François Cheng, qui est un académicien, c'est aussi un calligraphe, enfin, cet homme a tous les talents. Et donc, en 2009, il a écrit un article dans le Figaro, qui ensuite a été édité sous forme de petit opuscule, ayant pour thème la joie. Donc, c'est un petit livret de, allez, une dizaine de pages. Je pourrais vous en faire la lecture de bout en bout, tellement c'est beau. Donc, voilà, François Cheng nous fait un beau cadeau. Donc, merci de ça. Et puis, j'avais juste envie de partager avec vous la dernière phrase qui pourrait, en ces temps obscurs et difficiles, pourrait aussi nous guider dans le quotidien. Je cite « En ce changement du temps cyclique, formulons le souhait que chaque jour qui se donne soit l'occasion pour chacun de renaître à la vraie vie. » Chaque jour qui se donne soit l'occasion pour chacun de renaître à la vraie vie. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, pleine de vraie vie et de vraie joie.